bienvenue à cette présentation d'introduction sur les Xamarin.Form. Quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Olivier Dahan, je suis auteur, blogueur, .blog, vous connaissez certainement, MVP depuis 2009, ma spécialité c'est le C#, XAML, MVVM, Xamarin et bien évidemment tout ce qui touche autour du cross-platform. Formateur, auditeur, développeur et une publicité qui tombe à pic sur ce bouquin que j'ai sorti, le premier et le seul en français sur les Xamarin.Form que vous pouvez vous procurer à l'adresse qui est indiquée. Les Xamarin.Form, c'est avant tout Xamarin. Et Xamarin, c'est quelque chose qui, pour synthétiser très rapidement, est intégré à Visual Studio depuis la version 2015 SP3. Donc quelque chose qui a été très vite, puisque très rapidement après le rachat, on s'est retrouvé avec le produit intégré à Visual Studio, une société qui a été achetée par Microsoft cette année. Et plus qu'un ajout, c'est la pierre angulaire d'une nouvelle stratégie chez Microsoft, une stratégie cross-platform, comme peut l'être par exemple .NET Core. Alors le schéma qui est en dessous va peut-être un peu vous troubler, mais c'est important de comprendre le basculement de stratégie qu'il y a eu chez Microsoft, et de comprendre que Xamarin et Xamarin.Form s'intègrent parfaitement, et mieux que s'intégrer, en fait, elles permettent à Microsoft de se relancer dans cette nouvelle direction, qui sinon aurait été un peu vaine. Le principe, c'est regarder à gauche. Nous avons un fil à plomb qui indique la verticalité, et nous avons du PC jusqu'à la tablette, en passant par le smartphone. Ça, c'est la vision de ce que j'appellerais l'idéal perdu. C'est l'universalité chez Microsoft, avec WinRT déjà pour commencer, et ensuite avec UWP. Et ça, c'était le projet de Microsoft. C'est donc en fait d'être cross-form factor plus que cross-platform, c'est-à-dire que vous voulez utiliser une tablette, un smartphone, une Xbox, les HoloLens, etc. Eh bien, nous avons tout ce qu'il faut pour vous. Ça, c'était merveilleux, c'était le plan de départ. Or, on sait tous que les smartphones Windows Phone, aujourd'hui, ont disparu du marché, que Microsoft a annoncé qu'il reviendrait vraisemblablement avec quelque chose d'ultime, de révolutionnaire, etc. Que les gens fantasment sur l'avenue d'un Surface Phone, de choses de ce genre-là, mais on sait que ça sera de toute façon plus confidentiel qu'avant, plutôt axé entreprise et moins grand public. Mais enfin, quoi que Microsoft peut nous surprendre. En tout cas, aujourd'hui, ça n'existe plus. Du coup, l'idée d'universalité est une idée qui est totalement tombée à l'eau, parce que être universel entre le PC et les surfaces, ça fait un peu limité, puisque la surface, après la Surface 1 qui était en WinRT et qui avait vraiment quelque chose de spécial, toutes les surfaces qu'on suivit sont en fait des PC qui font tourner Windows 10 traditionnel avec un bureau, etc. Développer en UWP aujourd'hui, c'est être universel avec le PC et le PC. Ça fait un peu léger. Sans le smartphone, on comprend très très bien que cette universalité est tombée à l'eau et n'a plus aucune réalité concrète. Et ça, c'était donc un plan qui était vertical. C'était une universalité verticale, partant du PC jusqu'aux plus petites machines. Le marché du smartphone étant ce qu'il est, cet idéal était un idéal perdu, et Microsoft a été obligé de passer au plan B, simultanément d'ailleurs au changement de direction, qui ont été salutaires d'ailleurs, puisque Satya Nadella est quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Le basculement s'est fait de la verticalité à l'horizontalité. On retrouve le niveau qui nous montre que là, tout est placé sur le même plan, du PC jusqu'au smartphone, et bien évidemment, plus seulement des smartphones de chez Microsoft, mais aussi Android et bien sûr iOS. Donc Xamarin, c'est la pierre angulaire, parce que vous comprenez bien que ce qui est à droite de l'écran, cette horizontalité, cette universalité horizontale, elle n'a de sens que si on peut avoir des applications Microsoft qui tournent sur des smartphones ou des tablettes d'une autre marque et d'un autre OS que Windows. Or, le basculement était indispensable, le changement de stratégie était indispensable, mais ce changement de stratégie n'a pu se faire que grâce au rachat de Xamarin. Donc on comprend bien, et c'est le point important sur lequel je veux insister dans cette introduction, c'est que le rachat de Xamarin, c'est pas le rachat d'une société parmi tant d'autres, c'est salvateur pour Microsoft, ça leur permet de basculer de cette universalité verticale à cette universalité horizontale, sans les produits qui appartiennent à Xamarin et qui donc ont été rachetés par Microsoft. Vous comprenez bien que ce qu'il y a à droite de l'écran, si je supprime tout ce qui n'est pas Microsoft, on en revient exactement au schéma de gauche, c'est-à-dire un PC et une surface, et de l'autre côté un PC et un smartphone ou une surface, c'est-à-dire exactement la même chose. Ce passage de la verticalité à l'horizontalité n'a de sens qu'avec les produits Xamarin. Donc Xamarin est excessivement important dans la stratégie de Microsoft, c'est pour ça que cela explique aussi ce que je disais en introduction, c'est que
très très rapidement après le rachat, il y a eu des services packs de Visual Studio dans lesquels le produit était déjà intégré de base. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Le seul moyen de passer de cette verticalité à cette horizontalité, c'est d'unifier. Pour arriver à gérer l'universalité horizontale, pour maintenir la cohérence des lignes de produits de leur histoire, pour réunir tout ce qui est épars, pour arriver à une sorte de concorde universelle de tous ces produits les uns avec les autres, il faut unifier. Il faut unifier deux choses, le langage, alors le langage, les API, etc., et la gestion de l'interface utilisateur. C'est indispensable. La grande unification des API a déjà commencé chez Microsoft et vous apercevrez que nous avons ici deux schémas. Le premier en haut à gauche est celui qui représente les trois blocs aujourd'hui présents chez Microsoft, tels que Microsoft d'ailleurs présente ses produits. Le changement de direction a énormément changé les choses chez Microsoft et aujourd'hui en fait il n'y a plus que du .NET chez Microsoft. C'est .NET le futur et c'est .NET le présent comme c'était .NET le passé relativement récent. Jusqu'au rachat de Xamarin en fait chez Microsoft, on avait de l'UWP qui était un peu spécial, qui tournait uniquement sur Windows 10, et on avait un seul gros bloc auquel les fidèles étaient restés accrochés avec raison, c'était le bloc .NET. Donc vous voyez ce grand bloc .NET Framework, avec WPF, les Windows Forms, ASP.NET, et ces modèles applicatifs reposent sur une base, sur une librairie de base, ou plusieurs librairies, qu'on appelle le Framework .NET, on va dire classique ici. Et tout ça repose bien sûr sur la common infrastructure, sur les compilateurs, les langages et les composants de runtime. Depuis le rachat de Xamarin, il y a un bloc Xamarin qui existe, que vous voyez sur la droite, et qui contient les Xamarin pour iOS, pour Android, les Xamarin Form, Xamarin pour le Mac, et ça utilise en fait Mono, qui est adapté pour ces machines-là. C'est un framework .NET aussi, mais c'en est un qui est différent. Et puis dans le même temps, chez Microsoft, est apparue une autre lignée, une autre saveur de .NET, qui est .NET Core. .NET Core, c'est le futur, c'est un .NET qui est modulaire, cross-plateforme à l'origine, et qui est fait pour supporter tous les nouveaux langages et toutes les nouvelles API que Microsoft va pouvoir utiliser et développer dans le futur. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec trois .NET différents, qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Donc le .NET classique, .NET Core qui est l'avenir, et le .NET Mono de Xamarin. Il est clair que tout ça doit un jour converger vers .NET Core, mais que ça va prendre beaucoup de temps de tout réécrire, et que peut-être ce n'est peut-être pas utile, parce que Microsoft a une autre idée entre-temps, qui est celle de .NET Standard. Si vous regardez le schéma qui est en bas à droite, vous voyez en fait que par rapport à celui qui est à gauche et en haut, une ligne s'est insérée entre le modèle applicatif et les librairies de base, c'est .NET Standard. On retrouve le framework .NET classique, CoreFX pour .NET Core et Mono, le tout reposant de toute façon sur la common infrastructure, etc. etc. Qu'est-ce que .NET Standard ? .NET Standard, c'est une unification de l'API de toutes les versions de .NET existantes. C'est important quand même d'avoir compris cette différence entre .NET Core et .NET Standard qui sont sortis quasiment simultanément. Donc .NET Standard, c'est pas un nouveau framework .NET, on va dire que c'est un gigantesque contrat pour simplifier, et que tous les frameworks .NET s'engagent à respecter ce contrat. Du coup, du code WPF, hors problème de code spécifique bien sûr à une plateforme, va être exécutable, partageable, compilable sous .NET Core ou sous Xamarin. Donc ça c'est très important. Et on voit bien que aussi bien Xamarin que le framework classique sont associés dans cette unification vers .NET Core. Mais une fois qu'on a unifié les API, il reste quelque chose d'absolument essentiel, c'est l'unification des interfaces utilisateurs. Et ça, c'est le boulot d'Xamarin Form que je vous présente aujourd'hui. Donc si vous regardez dans ce schéma, vous avez à gauche l'approche Xamarin qu'on va appeler classique, et puis à droite, la nouvelle façon de voir les choses avec l'Xamarin Form. Donc à gauche, on voit, si on part du bas, qu'on a un C# back-end partagé, du code C# qui va être partagé par toutes les plateformes, c'est déjà extraordinaire, donc avec des compilateurs, Mono, etc., ou le framework .NET dans le cas où c'est des applications Windows. Et au-dessus, on a des blocs qui restent distincts, de taille assez grande malgré tout, qui représentent en fait les UI de chacun des OS. Donc dans une application, ce qu'on doit développer, eh bien on doit développer un bloc pour Apple, un bloc pour Android et un bloc pour Windows. Les UI restent natives et seul le code C# lui-même est quelque chose de fédérable. Dans l'approche Xamarin Form, ce qui a changé, comme vous le voyez, c'est que ces trois blocs de couleurs assez importants, ces trois rectangles, deviennent de petites lignes. Ils sont remplacés par un grand bloc qui s'appelle code partagé de l'UI.
Ce code partagé de lui, c'est Xamarin.Form, et on retrouve en dessous exactement la même structure et infrastructure. Alors pourquoi il reste des petites lignes ? Parce que dans un projet cross-plateforme, il y a toujours 1, 2, 3, 5% de code natif qu'on peut vouloir ajouter ou qu'il peut être nécessaire d'ajouter pour arriver au résultat qu'on souhaite. Et on en a la liberté, c'est surtout ça qui est important avec les Xamarin.Form, c'est pas un système fermé. Mais l'essentiel de ce code a disparu au profit d'un code unique et partagé, et ça, ce sont les Xamarin.Form. D'où viennent les Xamarin.Form ? Alors le titre est un petit peu taquin, enfin je ne sais pas s'il y a beaucoup de supporters de Trump ici, mais c'est une histoire qui lui donne tort, parce que tout commence avec un homme qui s'appelle Miguel de Icaza, un nom pas très américain, et il est effectivement né en 72 au Mexique, il est mexicain, immigré aux États-Unis, où en 97, à un âge assez jeune, il a créé le système GNOME. Si vous connaissez Linux, vous connaissez forcément GNOME. Si vous ne connaissez pas Linux, disons que GNOME, c'est un peu le concurrent de KDE. Les deux systèmes, en fait, qui permettent de donner une interface de bureau à Linux, qui sinon est un OS en ligne de commande. Et bien sûr, il a été énormément primé pour ce travail assez important. Et GNOME est aujourd'hui une pierre assez importante de l'édifice Linux avec KDE. Il a fait ce travail-là, et puis en 2001, quelque chose s'est passé. C'est que Microsoft avait sorti C#, etc., et a eu l'excellente idée de déposer un dossier ECMA, donc pour la normalisation de C# et du CLI, la Command Language Infrastructure. Et Miguel de Icaza s'est dit, c'est absolument génial, c'est ce qui nous manque. On a un très beau bureau avec GNOME, on a tout ce qu'il faut, mais sous Linux, il nous manque une véritable librairie objectivée, donc une API objectivée, et il nous manque un langage qui soit à la hauteur. Et C# lui semblait être ce langage. Du coup, en 2001, il crée la société Ximian, qui va être l'artisan du projet Mono, dont là, vous avez forcément entendu parler, qui est donc la version open source de .NET, bien que maintenant, presque tout chez Microsoft devient open source, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et Mono, donc, une implémentation libre, sur la base donc, d'un C# standardisé, de compilateur C#, bien sûr, et du framework .NET. En 2003, Ximian est racheté par Novell, et pendant plusieurs années, ils vont continuer à développer Mono pour en faire quelque chose d'assez complet et d'assez performant. Et puis, en 2011, Novell est racheté par Attachmet. Cette société n'a pas grand-chose à voir avec Mono, ça ne l'intéresse pas, elle n'a pas envie de financer une danseuse de type Mono. Et Miguel de Icaza va un peu batailler pour essayer de retrouver en fait la paternité de Mono et pouvoir s'en aller avec Mono de Novell. C'est ce qui se produit à un moment, heureusement pour nous, et ils fondent Xamarin. Dans la société Xamarin, il va réutiliser Mono pour l'adapter à iOS et créer un produit qui s'appelle MonoTouch, donc avec un compilateur C#, etc., etc., et MonoDroid, qui sera pour le système de chez Google. Ça, c'est le Xamarin, on va dire, classique, c'est-à-dire avec compilateur C#, etc., framework .NET, mais l'interface des applications se développe en natif, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen. Or, à partir de 2014-2015, il travaille sur un autre projet qui est Xamarin.Form, qui est une continuité de ce qui a déjà été fait, et qui va permettre d'unifier aussi lui. Au début, on l'a programmé en C#, et puis progressivement, bien sûr, le support de XAML qui va permettre d'avoir une véritable programmation de lui avec un langage qui est conçu pour. Comme par hasard, en 2016, la société est donc rachetée par Microsoft, qui donc hérite à la fois des compétences des 200 personnes qui travaillaient dans les équipes de développement chez Xamarin, et bien sûr de tous les produits, dont les Xamarin.Form. D'autres produits dont j'aurais hélas pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui sont assez extraordinaires, comme Xamarin Mac OS X, qui permet donc de développer avec Xamarin Studio, qui est une copie de Visual Studio, donc de développer des applications en C# avec le framework .NET sur Mac OS X pour Mac OS X. Il s'agit donc bien d'une révolution. On a un seul code, une seule UI, une seule application, et on balaye toutes les cibles. Alors, si je vous ai mis toutes ces petites images à côté, c'est pas seulement pour remplir un écran qui aurait été vide, mais c'est pour que vous ayez bien présent à l'esprit les portes qui sont ouvertes par Xamarin.Form. Un seul code, une seule UI. Ça permet d'attaquer bien sûr tout ce qui est tablette, iPad ou Android, les Surfaces bien sûr, la Xbox. On pourrait aller plus loin avec Xamarin, on peut même aller jusqu'au smartwatch, etc., mais pas avec les Xamarin.Form, puisque bien sûr, ça aurait pas beaucoup de sens de vouloir faire une interface utilisateur qui soit exactement la même pour une montre et pour une tablette. Pourquoi choisir les Xamarin.Form ? Je viens de le dire, en fait, un seul code et une seule UI. Donc forcément, ça permet d'avoir une seule compétence C#, .NET, XAML derrière,
donc de réutiliser les compétences qu'on a déjà en la matière, réutilisation des outils et de la connaissance qu'on en a, de Visual Studio, de ReSharper, par exemple, si on utilise ReSharper, eh bien ça marche aussi quand on développe du Xamarin.Form. Les méthodes de unit testing qu'on a mis en place et qu'on a l'habitude de faire, eh bien c'est du C# et du .NET, on pourra utiliser les mêmes procédures et la même façon de tester ces applications. Réutilisation des méthodes aussi. On sait que dans le monde C# XAML, on a développé au fil des années une stratégie, une sorte de pattern qu'on appelle MVVM et qui sont particulièrement adaptés à C# et à XAML. Eh bien, on va donc pouvoir les utiliser aussi quand on développe des applications pour smartphone ou pour tablette. Tout ça résulte en un gain de temps. Qui dit gain de temps, dit gain d'argent. Mais aussi plus de plaisir, parce que je considère franchement, à titre personnel, que développer en C#, en .NET et en XAML, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Tout ça est vrai, même compétences, etc. C'est même vrai si vous venez de Windows Form, parce que si vous venez de Windows Form, vous connaissez au minimum .NET, peut-être pas C#, peut-être que vous faites du VB, mais si vous connaissez .NET, vous connaissez déjà beaucoup de choses. Alors si vous connaissez C# et que vous faites du Windows Form en C#, vous connaissez à peu près 70% de ce qu'il faut connaître pour développer en Xamarin.Form. Même EDI, donc c'est Visual Studio, donc ça vous savez vous en servir. C'est la même plateforme, c'est .NET. C'est éventuellement le même langage et ce sont les mêmes méthodes de travail. Alors si vous connaissez en plus Silverlight, WPF, WinRT ou WP, vous êtes probablement même à 90% de ce qu'il faut connaître pour être capable de développer sous Xamarin.Form. C'est quand même très important parce que quand on sait l'investissement temps qu'il faut pour aborder un nouvel environnement de type Eclipse avec le Java de Google ou bien le système Xcode d'Apple, on comprend que si on peut faire l'économie de cet apprentissage et directement utiliser ces compétences qu'on a utilisées tous les jours, on a vraisemblablement un énorme gain en compétences immédiates, en montée de puissance. Et donc ça, c'est vraiment très 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 important et c'est ce que vous offre l'Xamarin.Form. Donc l'essentiel à retenir, c'est ces quatre points-là. C'est vous êtes des développeurs mobiles qui s'ignorent pour la plupart d'entre vous. Les Xamarin.Form utilisent vos outils, vos langages, votre DI. Alors bien sûr, des fois, on peut se tromper. Non, vous ne pouvez faire, avec l'Xamarin.Form, développer qu'une application iOS. J'ai entendu des gens dire « Ah oui, mais moi, je veux faire qu'un truc pour Android, donc je vois pas l'intérêt. » Si, si, il y en a un, parce que vous allez faire et bénéficier de tout ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire que vous allez bénéficier d'utiliser vos mêmes outils, vos mêmes langages, votre même plateforme, vos mêmes API, etc. etc. Donc c'est toujours extrêmement rentable. Et puis en plus, vous allez pouvoir rajouter les cibles qui vous manquent, éventuellement dans 6 mois, dans un an, vous ne direz pas « Ah, je me suis trompé à tout faire sous Xcode Apple, maintenant le client veut, ou mon patron veut la même chose pour Android, finalement, il va falloir tout refaire ». Non, si vous avez fait le choix de Xamarin.Form, vous avez le droit à l'erreur, puisque le risque de se tromper en faisant un choix n'existe plus. Donc ça, c'est vraiment les choses essentielles. Pour illustrer tout ça, et pour pas que ça reste trop abstrait, on va étudier une petite solution assez typique, puisque c'est une solution qui va aller fouiller dans le catalogue eBay, montrer les catégories, les sous-catégories, etc., toute l'arborescence, et arriver à la liste des produits qui sont en vente avec leurs photos, leurs descriptifs, leurs prix, etc. Donc une solution assez classique, assez typique de ce qu'on peut développer, en tout cas sur smartphone, sur tablette, et même sur PC aujourd'hui, dans des applications de type UWP. Donc on va voir à travers ça, bien sûr, des choses essentielles, comme l'architecture de la solution, qui est faite d'un projet commun et de projets natifs, qui sont ceux qui seront compilés pour de vrai et qui vont donner les applications qui vont tourner sur les machines, puisqu'on est bien en natif. Et l'architecture plus en détail de ce code partagé, avec ses services, ses interfaces, ses modèles et vues modèles, ses appels HTTP, puisque là, il va falloir aller accéder à des données externes, lui en XAML, bien évidemment, la navigation et les niveaux de personnalisation, parce que c'est très très important dans une introduction à Xamarin.Form de se faire une bonne idée de comment je peux éventuellement décrocher de ce qui est dans la boîte, est-ce que je ne vais pas me retrouver coincé, etc., etc. Alors, l'histoire commence exactement de la même façon à chaque fois, puisque là, on est en terre connue. Vous connaissez Visual Studio, donc vous savez créer une solution dans Visual Studio, bah on crée une solution, sauf qu'on va choisir celle qui correspond à une application Xamarin. Sur la droite, vous voyez en fait cette solution qui vient d'être créée, donc eBay Demo, je l'ai appelée de cette façon-là, et cette eBay Demo, elle est faite donc d'un projet portable, on le voit tout en haut, d'un projet Android, d'un projet iOS et d'un projet UWP. Gratification instantanée, on exécute ces trois projets sans rien avoir fait dedans.
on voit un Welcome to Xamarin.Form qui s'affiche un peu partout. Donc vous avez à droite une émulation d'Android 5.5 KitKat par le biais de l'émulateur qui est fourni par Microsoft, qui a l'avantage d'être un émulateur Android qui marche très bien avec Hyper-V, qui est le système de virtualisation de Microsoft, et qui des fois pose des problèmes avec d'autres émulateurs. Donc c'est très bien, on a notre émulateur qui a été bien taillé pour travailler avec Visual Studio. Au centre, vous voyez l'application tournée dans UWP en mode local machine. Je ne l'ai pas lancé pour un smartphone, mais ça aurait marché de la même façon. Donc ici, c'est la machine qui le fait tourner. Et puis à gauche, vous pouvez voir en fait la même chose tournée dans une émulation pour iPhone 6S dans un émulateur. Mais attention, on calme sa joie. Il s'agit d'une astuce. C'est un émulateur, enfin en tout cas, on va l'appeler comme ça, fourni par Microsoft, qui nous permet effectivement de développer, de débugger à l'écran du PC sans attraper un torticolis à se tourner la tête pour chercher où se trouve l'écran du Mac dans le bureau, mais ça ne fonctionne que connecté à un Mac. Bien évidemment, on est dans la stratégie Apple, c'est pas Microsoft ni Xamarin qui sont ici en question. Google, par exemple, a mis son SDK disponible, par exemple, pour les PC. Donc ça permet effectivement, sur un PC, d'avoir des émulateurs Android, de pouvoir avoir le SDK pour pouvoir compiler, puisque je rappelle qu'on est on fait du natif, donc on a besoin des SDK natifs et des images système, etc. Et c'est exactement la même chose pour iOS, puisqu'on est en natif. Or, bien évidemment, Apple n'a jamais fourni de SDK ni de compilateur qui pourrait tourner sur un PC. Ça n'arrivera vraisemblablement jamais d'ailleurs. Et donc, il faut absolument un Mac, au moins connecté en réseau à votre PC, pour pouvoir développer des applications iPhone. À moins de développer, bien sûr, directement sur le Mac, mais dans ce cas-là, on ne pourra avoir qu'une solution qui contient le projet iOS et le projet Android. On n'aura pas le projet UWP. Alors, on va faire quelque chose de très simple pour vous prouver, en fait. Le but, c'est de vous montrer que vous savez déjà beaucoup de choses et que faire du Xamarin.Form, c'est pas quelque chose d'absolument incroyable et que ça demandera beaucoup moins d'investissement, bien sûr, d'apprentissage que n'importe quelle autre approche du cross-platform. Donc je suis parti du catalogue eBay, pourquoi ? Parce que c'est facile, c'est simple à mettre en place. Ça fonctionne directement avec une URL qui suffit d'envoyer, on récupère du JSON, donc vous voyez à gauche les catégories qu'on va récupérer en JSON, et puis en bas les articles, quand on est sur une catégorie feuille, on peut demander la liste des articles qui correspond à cette catégorie, et on va voir la liste des articles. J'ai aucun intérêt dans ce site-là, mais par contre il est extrêmement intéressant, alors je vous donne l'astuce, c'est un site qui s'appelle json2csharp.com, et vous allez lui fournir en fait l'URL dont vous avez besoin de traduire le code en C#. Alors pourquoi le traduire en C#? Simplement parce qu'on va recevoir du JSON, il va falloir désérialiser ce JSON, le transformer en objets sur lesquels on va pouvoir travailler, bien sûr, pour pouvoir les afficher, etc., ou les traiter. Donc on a besoin en face de classes C# qui correspondent. Donc on rentre l'URL et il va produire, comme vous le voyez à droite de l'écran, l'ensemble des classes qui vont permettre d'accéder et de désérialiser facilement en fait le code JSON. On utilise aussi exactement les mêmes outils. Sous Visual Studio, on sait qu'on peut rajouter des packages nuggets pour traiter certaines parties qui ne sont pas traitées de base par le framework .NET. Eh bien, sous Xamarin.Form, c'est exactement le même principe. Là, je vais utiliser en fait des chaînes JSON que je vais avoir besoin de désérialiser. Alors, il ne suffit pas d'avoir la structure des objets C# en face, mais il faut aussi avoir une librairie qui est capable de comprendre JSON et de la désérialiser. On va utiliser dans ce projet le JSON de Newtonsoft, qui est certainement la librairie JSON la plus utilisée dans le monde de .NET. Il y en a d'autres, mais on aurait pu choisir d'autres, on n'est pas contraint, on est libre, hein, on travaille en C# et en .NET. Le projet que j'ai créé pour cette démonstration, j'aurais pu bien évidemment le développer devant vous, je sais, moi le premier, je suis très friand des démonstrations où le conférencier tapote sur son clavier, rajoute 2-3 trucs et hop, ça fait quelque chose, c'est extraordinaire, il y a l'effet waouh, il y a tout ça, c'est très sympa. Le problème, c'est que ça peut très bien se faire pour certains types d'approches, de plateformes de développement. Quand on commence à faire du cross-platform, même pour un projet de démo, et même si c'est très simple et très rapide avec Xamarin.Form, comparativement au fait d'utiliser 2-3 systèmes et EDI différents, bien sûr, il y a quand même un petit peu de temps pour coder tout ça, surtout si on veut le faire proprement comme je l'ai fait ici, pour que l'exemple qui sera téléchargeable puisse être aussi un bon exemple. Donc je l'ai développé bien sûr avant, et je ne développerai pas ça devant vous parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Même si ça prenait qu'une heure ou deux, ça se rajouterait au temps de cette conférence qui en est déjà à sa moitié. Donc je vais faire simple. Donc à l'intérieur de cette solution, on retrouve donc un projet qui est le projet portable, qui est eBay Demo Portable, une PCL.
Et à l'intérieur de ce projet, on va retrouver une architecture assez classique avec des contrôles personnalisés, une implémentation des services qui ont été déclarés avant, les modèles, l'abstraction de ces fameux services, les view models, les vues et la page principale. Alors des vues modèles et des vues, bien sûr, parce qu'on va respecter MVVM, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire, et qu'en plus, l'Xamarin Form intègre quasiment 95% de ce qu'il y a besoin pour faire du MVVM sans avoir besoin d'utiliser un framework supplémentaire. Donc cet exemple n'utilise aucun framework supplémentaire. Maintenant, il est possible d'utiliser par exemple MVVM Lite, si vous avez l'habitude. La raison principale d'utiliser un framework différent, c'est de conserver des méthodes de travail qui sont les mêmes. Alors on est toujours dans ce même état d'esprit de réexploiter ses compétences pour aller le plus vite possible et produire des applications de bonne qualité rapidement. Donc si vous êtes à l'aise parce que vous avez l'habitude d'utiliser MVVM Lite ou Calibre de micro, bah faites-le, utilisez ce que vous connaissez le mieux. Ou on peut directement utiliser les services proposés par l'Xamarin Form. C'est pas gênant. Encore une fois, un exemple simple, comment on va accéder aux données HTTP ? Eh bien, dans un programme bien fait en MVVM, on va déclarer d'abord une interface que vous voyez en haut à gauche, donc la IIBase Service, qui va déclarer deux méthodes, getCategories pour avoir la liste d'une catégorie ou d'une sous-catégorie d'une catégorie mère, et getItems qui permet d'avoir la liste des articles quand on est arrivé sur une catégorie feuille. Cette interface, elle est dans le projet partagé, bien évidemment, et elle va être celle qu'on va utiliser tout au long de notre programme. On va l'implémenter, c'est la partie que vous voyez en haut à droite. Donc on voit le début de l'implémentation, donc une classe IIBService qui implémente la IIBService avec au centre, bien sûr, les deux méthodes de l'interface, hein, mais que je n'ai pas détaillé ici, qui ne font que construire la chaîne de caractères de l'URL. Et au centre de ce service, on trouve ce qui permet vraiment d'accéder au contenu en fait, de l'URL, c'est getHttpStringTask que vous voyez ici, qui va accéder, donc retirer une chaîne de caractères depuis l'URL qu'on aura construite. Comme vous le voyez, ça prend une ligne et demie de code, parce qu'on a voulu être propre et pas tout mettre sur la même ligne. On utilise en fait un HTTP client, et on fait un getStringAsync, et on obtient notre code JSON qui va être désérialisé derrière. Bien sûr, une fois qu'on a l'interface, qu'on a l'implémentation, il faut pouvoir utiliser tout ça. On va l'utiliser dans le ViewModel, par exemple, dans le modèle de la page principale. On a un loadData, qui est une méthode privée, et qui va faire dependency service, get de IIBService, donc il va obtenir une instance de cette interface. C'est le système qui va s'en occuper, qui est intégré à Xamarin Form, mais là vous pouvez utiliser aussi votre propre conteneur IOC, etc., etc. Et puis on va obtenir bien sûr les catégories. Alors comment la magie s'opère avec l'Xamarin Form ? Comme si on vient dans la partie qui est en haut à droite, vous pouvez voir qu'au-dessus du namespace de l'implémentation du service, on a un attribut qui est dependency, et qui nous dit qu'en fait, dans ce service, on a une dépendance sur le type IIBase Service, donc qui est la classe en fait, qui implémente le service. Automatiquement, au runtime, les Xamarin Form vont balayer en fait, les namespaces qui ont été marqués par ce type d'attribut. Elles vont chercher les classes en question, donc la IIBase Service. Elles vont chercher les interfaces qui ont été publiées, et donc elles deviendront immédiatement disponibles à travers le Dependency Service que vous voyez en bas et qui est utilisé ici dans le ViewModel. On est sous Visual Studio, on a une solution Xamarin Form, qui est une solution qui contient un projet partageable et autant de projets natifs qu'on a de cibles natives qu'on va vouloir atteindre bien évidemment. Nous avons ici notre solution eBay Demo avec le projet portable, avec l'arborescence que je viens de vous faire voir à l'instant. Et puis nous avons d'autres projets, le projet Android, le projet iOS et le projet UWP. Rien d'extraordinaire, nous on a une main page en XAML, on reviendra un peu sur ces contenus et pourquoi il y a plein de choses en commentaire qui sont plusieurs versions, plusieurs façons de voir l'implémentation de ce code. Si on regarde par exemple dans nos modèles, on a nos catégories donc, qui ont été créées par le JSON to C# et un peu arrangées pour entrer ici, les items qui sont les items qui contiennent leur prix, leur devise, etc., etc. Notre implémentation de service, ça c'est déclaré ici. Dans les services, on a l'interface qui est déclarée, etc., etc. Donc rien de bien extraordinaire. On va aller un peu plus loin. Et ce qui va nous intéresser maintenant, dans une introduction au Xamarin Form, c'est de comprendre ce qu'est Xamarin, ce que sont les Xamarin Form, d'où ça vient, quelle importance ça a dans la stratégie de Microsoft,
quelles compétences il faut pour faire du Xamarin Form. Et bien évidemment, la question qui vient après, c'est de se dire, ouais, mais bon, tous ces systèmes tout faits, on est un peu coincé dès qu'on a besoin de faire quelque chose d'un peu différent. Alors, ce qui est très très important pour répondre à ce type de questions concernant Xamarin Form, c'est que les Xamarin Form, on reste en natif. Ce n'est qu'un jeu qui permet de proposer une API standardisée dans un code partagé, mais à l'exécution, alors la partie C#.NET, ça fait longtemps que dans Xamarin plus classique, le problème est réglé. On a des compilateurs qui créent du code natif. Mais concernant l'interface utilisateur, comment ça fonctionne? En deux mots, ça traduit à l'exécution, en fait, ça va traduire l'objet que vous utilisez dans le code commun, par exemple le bouton, etc. Et il va être remplacé à l'exécution par la véritable instance du bouton qui est natif dans la plateforme en question. Donc quand je pose un bouton dans une page avec l'Xamarin Form, en fait, c'est un bouton iOS qui sera affiché sur une tablette ou un smartphone iOS. C'est un bouton Android qui se mettra sur une tablette ou un smartphone Android. Et c'est un bouton UWP ou pour smartphone UWP pour Microsoft. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il y a des gens qui veulent avoir un logiciel qui a exactement le même look sur toutes les plateformes. Dans ce cas-là, il faudra avoir des librairies de type à la Java, par exemple, qui sont exactement pareilles et qui ont exactement la même tête partout. Mais ce n'est plus du natif et vous êtes tributaire des composants qui sont fournis dans cette librairie. Vous êtes coincé avec ces composants, vous ne pouvez pas faire autre chose. L'approche de Xamarin est complètement différente avec Xamarin Form, puisqu'on a une traduction en natif, donc on reste tout le temps en natif, et à l'exécution, c'est du code natif côté C# compilé qui s'exécute, et côté UI, ce sont les composants natifs de la plateforme qui sont utilisés. Ce qui veut dire qu'on respecte aussi le look and feel de chaque plateforme, ce qui est quand même très très important dans du développement mobile. Si vous faites un truc iOS qui ressemble à un truc Android, ou inversement, ou Windows Phone, c'est en général un très très mauvais choix. Donc l'Xamarin Form permet d'être conforme à cet état d'esprit de chaque plateforme, et c'est du code natif. Donc on peut décrocher à tout moment de la logique d'Xamarin Form pour personnaliser ce qu'on est en train de faire, et on a plusieurs niveaux de personnalisation. Les X-Forms sont conçus pour tous ces décrochages, et on peut aller du plus simple au plus compliqué. On va pouvoir utiliser des tas de choses qui sont fournies directement dans les X-Forms, comme par exemple ne serait-ce qu'une méthode qui s'appelle onPlatform, qui est utilisable aussi en XAML, et qui va permettre de faire des choix natifs dans le projet partagé, sans avoir besoin de faire du code conditionnel absolument horrible avec des if, else, etc. Le onPlatform va permettre, on va le voir, de se dire, bah tiens, si je tourne sous iOS, je pourrais faire ça, ou si je tourne sous Windows Phone ou UWP, je vais mettre telle valeur dans l'épaisseur de mon trait, ou dans, etc., etc. Donc on a plein de façons de personnaliser les choses, et jusqu'au code natif, bien évidemment. Alors, pour simplifier et pour schématiser, ça n'a rien d'officiel comme séparation, et ça pourrait être discuté. Voici les niveaux de personnalisation qu'on va pouvoir atteindre avec l'Xamarin Form. Le premier niveau que je vais appeler niveau 0, c'est tout simplement d'écrire du code de XAML. Écrire du code de XAML, c'est quand même un fantastique système pour personnaliser son travail puisqu'on fait ce qu'on veut. Donc c'est le niveau 0 de la personnalisation. Il y a un peu de variantes, soit du code direct, soit à la façon XAML, quand on doit répéter une même chose, un même template, etc. On peut le faire dans un dictionnaire de ressources. Alors ce sont deux sous-niveaux du niveau 0. Au niveau 1, on va pouvoir utiliser le onPlatform dont j'ai parlé, qui va permettre de faire des choix déjà en fonction de la cible, alors qu'on reste en code commun. Le niveau 2, ça va être d'utiliser certains outils existants déjà écrits, mais qui vont permettre d'aller un peu plus vite et de personnaliser un peu plus. Par exemple, la ListView, qui correspond à peu près à une listbox XAML, mais qui est l'organe principal dans les applications mobiles. Il y a peu d'applications mobiles qui peuvent se passer d'avoir des listes, que ce soit les listes de courses, des listes de contacts, des notes, des rendez-vous, des machins. Il y a une liste à peu près dans toutes les applications mobiles. Donc c'est un élément d'interface absolument essentiel. Donc il a été très bien travaillé dans Xamarin Form, bien sûr. Donc on trouve par exemple, ces listes, elles affichent en fait des cellules. Il existe un certain nombre de cellules pré-programmées, comme par exemple la TextCell, qui permet rapidement d'écrire une ligne de texte, de choisir sa couleur, etc. On va pouvoir utiliser aussi des plugins Xamarin Form. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui ont fait des plugins, qui vous permettent toujours, dans votre code partagé, donc de façon purement unitaire, de manipuler par exemple le vibreur. Le vibreur, c'est une fonction qui n'est pas dans l'Xamarin Form, qui n'est pas classique, qui dépend effectivement de chaque plateforme. Certaines en ont. Sur PC, il n'y a pas de vibreur, par exemple. Donc, on peut écrire un plugin
qui va lui-même ressembler à une mini-application Xamarin Forms, c'est-à-dire un code partagé et des applications natives, et qui vont venir se plugger en fait dans votre solution au niveau de la partie commune et au niveau de chaque projet bien sûr cible. Et ça vous permettra par exemple de manipuler le vibreur s'il y en a un, tout en restant en code commun. Donc on a beaucoup de solutions de ce genre-là, il existe beaucoup de plugins aujourd'hui Xamarin. Le niveau 3, par exemple pour une ListView, c'est d'écrire des cellules personnalisées. Donc comme la TextCell qui est proposée de base, par exemple on va pouvoir écrire les siennes. Alors on va pouvoir le faire en C#, on va pouvoir le faire en XAML, ou on pourrait le faire avec un mix des deux. Notamment mixer XAML et C#, c'est pratique si on a un peu de code dynamique, ou si on doit balayer des choses, créer des objets, ou en fonction du contexte, c'est intéressant d'avoir à la fois du XAML et du C# pour la partie logique. Alors les trois derniers niveaux, on peut là encore discuter leur séparation, mais enfin peu importe, c'est arbitraire, c'est pour vous faire comprendre cette progression. Le niveau 4, ça serait écrire des custom renderers natifs, c'est-à-dire du code qui va permettre de substituer la traduction par défaut d'Xamarin Form et de substituer votre propre code à la place. Je m'explique, j'ai un bouton, mais sous iOS, je veux que ce bouton utilise telle ou telle caractéristique qui est propre uniquement à iOS. Je vais écrire un bouton personnalisé en natif pour iOS en utilisant le UIKit et je vais pouvoir, dans l'Xamarin Form, informer Xamarin Form que quand on est sur iOS et quand on va utiliser un bouton, eh bien il faudra utiliser cette classe-là que j'ai écrite plutôt que la classe par défaut du bouton par défaut d'iOS qu'utiliserait Xamarin Form autrement. Ça permet d'utiliser toutes les possibilités propres à chaque OS sans jamais casser le code commun. Ni faire de bricolage, ni faire de code conditionnel, ni rien du tout. Le niveau 5, on peut dire que bon, utiliser des composants tiers natifs, c'est quand même un grand niveau de personnalisation. Vous êtes sous Android, vous avez absolument besoin d'un super composant qui gère les signatures de confirmation, les choses comme ça, même si ça existe déjà pour Xamarin Form, il y a déjà des plugins pour ça. Mais imaginons, et vous allez vouloir l'utiliser. Et bien avec Xamarin Form, pour votre application Android, vous pourrez utiliser des composants tiers natifs et les mettre dans une page XForm, voire même faire l'inverse. Et puis le niveau 6, c'est d'écrire directement du code natif, que ça soit de lui ou même du code fonctionnel. On va pouvoir bien évidemment mélanger ce code natif avec du code plus générique. Alors si on prend justement l'exemple de ces cellules personnalisées dans une ListView, hein, les lists c'est quelque chose d'essentiel donc, au développement dans le monde mobile, la ListView affiche des cellules, c'est une question de convention, ça marche comme ça. On les personnalise en général avec un data template, ce qui est une approche très très classique en XAML, et pour le faire on peut utiliser soit une ViewCell et coder le XAML à sa déguise. Alors une ViewCell c'est une de ces cellules de base mais qui contient rien du tout, donc il faut mettre du XAML à l'intérieur pour que ça affiche quelque chose. On peut utiliser une cell spécialisée comme on l'a vu avec une TextCell, on peut utiliser une cellule customisée écrite 100% en C#, 100% en XAML, ou bien écrite dans un mix des deux. Ou utiliser par exemple, en plus de tout ça, un sélecteur de type pour fournir un type adapté aux données en fonction du type de ce qu'on a, pour avoir plusieurs types de cellules qui s'affichent dans une même liste. Alors on reprend la catégorisation que j'avais faite en niveau tout à l'heure pour essayer de voir cette progression. Le niveau 0A, c'est écrire du code XAML. Donc ici on voit notre ListView avec son item source qui est bindé aux catégories. Donc il y a le ViewModel derrière qui propose la liste des catégories affichées. Et puis en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre dans cette déclaration de ListView très classique pour du XAML. On a un item template, et à l'intérieur de cet item template, j'ai un data template dans lequel je mets une ViewCell, et à partir du moment où j'ai cette ViewCell, je peux mettre ce que je veux dedans, donc je vais utiliser une grid très connue et classique en XAML, des labels qui vont contenir le texte qui va être bindé au nom de la catégorie, et puis dans un premier essai, dans une première version de cette démonstration, j'ai voulu mettre des petits chevrons en fin de ligne sur tous les OS pour refaire un peu ce qui se fait sous iOS, mais le généraliser à toutes les machines, et faire en sorte en plus que ce petit chevron il soit gris quand on pointe vers une sous-catégorie ou qu'il soit vert quand on a une catégorie feuille, c'est-à-dire que l'appui sur cette catégorie va enclencher la navigation vers la liste de produits avec leurs photos, etc. Donc là, c'est le niveau A0. Au niveau 0B, donc je vous ai dit, c'était d'utiliser des ressources XAML, parce qu'effectivement, ça permet de rationaliser un peu, de réexploiter plus facilement le code. C'est ce qu'on voit, donc on revoit exactement le même code en haut de la page, mais ce coup-ci, il est
dans les ressources de la page, il pourrait être dans les ressources de l'application bien évidemment, dans un ressource dictionary, et on retrouve notre data template qui cette fois-ci a une clé bien sûr, puisque c'est une ressource, et tout en bas vous voyez comment on l'utilise. J'ai ma ListView avec mon item template de la ListView, et j'utilise la static resource qui porte le nom catégorie-cell, qui est la clé de ce que j'ai déclaré un peu plus haut. Donc on est dans du XAML très classique, vous voyez que si vous savez vous servir de WPF, WP, si vous avez fait du Silverlight, etc., vous comprendrez aisément comment fonctionne l'Xamarinform. Ça marche pareil, c'est du XAML. Le niveau 1, j'avais parlé de on-platform. Alors à quoi ça peut servir? Par exemple, bon, sur la cellule elle-même, j'avais pas un exemple pertinent qui compliquait pas trop les choses. Donc c'est la page qui s'en sert. Elle s'en sert pourquoi? Parce que sous iOS, la barre de statut qui est en haut avec les petites barres là, qui vous indiquent si votre téléphone y reçoit ou y reçoit pas, l'espace de cette petite barre de statut n'est pas réservé par l'OS. C'est-à-dire que la place qui est retournée pour afficher une page contient cet espace-là. Donc si vous écrivez à cet endroit-là, vous allez écrire par-dessus, par-dessous cette barre de statut, et ça va être très très moche. Donc il est de coutume, quand on développe pour iOS, de préserver 20 pixels de réserve en haut, et de ne pas écrire bien sûr dessus. Donc dans une page, on a une propriété qui est le padding, on a tout intérêt à réserver ces 20 pixels dans le padding de la page, comme ça tout va rentrer et tout sera cadré. Mais seulement, on ne veut pas qu'il y ait ce padding-là dans les autres applications. Par exemple, on n'en veut pas du tout, parce que ce n'est pas nécessaire sous Windows, ce n'est pas nécessaire non plus sous Android. Mais imaginons par exemple que je veux créer un petit bord de 10 pixels, pour pas que ce soit tout au bord de l'écran. Eh bien, avec OnPlatform, vous voyez que je vais remplir mon padding, mais au lieu de dire que je veux 10 pixels pour mon padding ou 20 pixels pour mon padding, je vais dire qu'en fait il va obtenir la valeur depuis une plateforme. Ça va retourner un argument de type thickness, puisque padding c'est de ce type là, et je vais pouvoir rentrer les valeurs pour iOS, pour Android et pour WinPhone. Alors à savoir que au départ l'Xamarinform fonctionnait pour ces trois plateformes, que UWP a remplacé la plateforme WinForm, WinPhone, pardon, et que pour des raisons de compatibilité qu'on comprend, le mot aurait toujours resté WinPhone. Mais derrière le mot WinPhone, il faut comprendre UWP aujourd'hui. Le niveau 2, ce sont les outils et codes existants. Donc par exemple ici, je vais utiliser la fameuse Texel. Donc dans mon data template, on ne retrouve plus que la Texel avec son texte, sa propriété texte qui va être bindée aux catégories name. Au niveau 3, je vais écrire une custom cell, donc une cellule personnalisée. On voit en haut comment je l'utilise, exactement de la même façon, donc data template, controls, item cell, puisque le control ça va être le XML namespace que j'ai mis en début de mon fichier XAML pour atteindre item cell, la classe item cell. Et puis on voit que quelque part dans mon application, j'ai bien évidemment défini une classe qui s'appelle item cell, qui descend de view cell et qui met en place un certain nombre de choses. Et cette fois-ci, c'est fait entièrement en C# et pas en XAML, pour vous montrer qu'on peut mélanger les deux approches. Bien évidemment. Le niveau 4, c'est les custom renderers. Donc, je vais écrire une catégorie cell. Cette catégorie cell, je vais la faire descendre ici pour aller plus vite de text cell. Ça veut dire que dans tous les cas, elle aura les caractéristiques d'une text cell. Quand je vais l'utiliser en haut à droite, on va pouvoir voir que dans mon data template, je vais simplement utiliser contrôle catégorie cells text avec le binding exactement comme une text cell. Mais ce qui va changer, c'est que dans le projet natif iOS, j'ai créé une classe qui s'appelle CategoryCellRenderer, et que cette classe-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser, elle va créer, elle va détourner en fait le système de création en fait utilisé par Xamarinform, qui va créer l'objet réel du UIKit iOS. Je vais capter en fait la cellule qui a été créée, et je vais utiliser sa propriété accessory, qui n'existe bien sûr que sous iOS, pour dire qu'elle est de type disclosure indicator, c'est-à-dire cette espèce de chevron qu'il y a en fin de ligne à droite dans les applications iOS. Et là, je retourne la cellule. Ce qui veut dire que ça va être complètement transparent, grâce au fait, comme on le voit en haut de la partie iOS, j'ai un attribut export renderer qui dit que pour le type catégorie cell, le renderer devra être de type catégorie cell renderer. Et grâce à ça, Xamarinform à l'exécution va laisser de côté tranquille les applications UWP et les applications Android. Mais par contre, quand elle va compiler, quand elle va faire tourner l'application iOS, ça va rentrer dans son système de dépendance. Elle sait que quand je veux créer une catégorie cell, en fait, il ne faut pas utiliser la text cell ou autre chose. Il va falloir utiliser en fait le code que moi j'ai mis. Et voici ces fameux chevrons, pour que vous les voyez, qui sont natifs dans iOS. On a vu
On pouvait uniformiser le look si on le souhaitait, et on peut aussi le personnaliser. L'application, à quoi elle ressemble? Comme j'ai préparé cette conférence pour une conférence que je donne à Mons en Belgique, au Dev Day belge, bien évidemment, je n'étais pas certain de la disponibilité de la connexion Internet que j'aurais pendant la conférence. Donc j'ai préenregistré en fait 2 minutes de démonstration montre en main qui me permettent de vous faire voir comment ça se comporte sans avoir besoin d'accéder à Internet. Avant de vous le faire voir, je vais vous le faire voir en vrai. On va passer ici. On va lancer l'application, c'est l'émulateur Android de Microsoft, puisque là, comme Android, Google, c'est pas la même chose que Apple. Eux, ils donnent tout ce qu'il faut pour le faire sur PC. Donc on va le faire. Donc voilà notre application qui apparaît. Une première page avec la liste des catégories. On voit cette liste de catégories. Je clique, j'obtiens... Alors on va prendre quelque chose peut-être de business industriel par exemple. Voilà. On va trouver de l'équipement lourd. Dans l'équipement lourd, on peut avoir par exemple voilà, des excavateurs. Et bien voilà, comme on trouve tout dans le catalogue d'eBay, voici une page par contre qui est une page feuille dans laquelle on a la liste des articles avec leurs photos, le descriptif et leur prix en dollars. On peut revenir à n'importe quel moment re-choisir. On voit le système de navigation qui fonctionne, le titre de la catégorie sur laquelle on se trouve qui change. Je peux revenir de 2 crans en arrière. J'ai pas perdu le fil, hein. On a donc toute une navigation qui est gérée, donc ça c'est quasi automatique. Voilà par exemple mes produits de musique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Quand on veut le faire pour l'ensemble des OS, bien sûr, il faut avoir le Mac en réseau qui est branché, avoir les émulateurs pour les uns pour les autres. Donc je vais revenir à ce qui était prévu, qui est cette petite démo de 2 minutes que vous allez très vite comprendre et qui vous montre tout ça. Donc là on va partir de l'application UWP, elle est lancée sur la local machine. Elle se charge, on reconnaît l'affichage, les catégories. Donc la même chose que ce que vous venez de voir, mais ce coup-ci ça tourne sur PC, donc en UWP. C'est le même code, hein, j'ai rien changé, c'est juste le projet natif UWP qui a été lancé. La petite balade sur les catégories, les sous-catégories, alors on voit comment ça se présente sur UWP, donc j'ai toujours le titre avec le nom de la catégorie en haut, les pages avec leurs articles, leurs photos, leurs prix, c'est exactement la même présentation. On note la flèche là-haut qui est celle de navigation. Quand on revient aux catégories, eh bien on n'a plus de flèche puisqu'on est sur la page racine. On va faire la même chose sur Android, donc c'est ce que je viens de vous faire voir à l'instant. Donc on remarque que bien évidemment on peut lancer les uns et les autres et les conserver à l'écran, c'est pas un problème hein, si la machine le supporte. Alors là vous voyez que c'est une version avec les petits chevrons qui changent de couleur vert et c'est exactement la même chose sur les 3 OS. Il y a eu plusieurs versions de cette démonstration pour montrer différentes choses à l'intérieur, d'où les parties qui sont en commentaire dans la page principale qu'on peut réactiver ou désactiver pour retrouver l'un des affichages. Bien sûr, donc le fameux émulateur qui n'en est pas un d'iOS, et l'affichage, là ici, donc avec les chevrons unifiés, qui sont les mêmes sur toutes les plateformes, et pas avec les chevrons iOS, comme je vous l'ai fait voir dans la capture de tout à l'heure. L'avantage, c'est que là, je peux leur faire changer de couleur, et c'est la même chose. Donc si j'ai une même application que je dois écrire une documentation qui est la même pour tous les utilisateurs, peu importe le téléphone qu'ils ont, c'est vrai que c'est une approche intéressante. Si on est un puriste et qu'on veut conserver le look, il n'y aura pas de chevrons sous Android et sous UWP, parce que ça ne se fait pas, et on pourra activer par le custom renderer les chevrons typiques d'iOS par contre qui ont le look des applications iOS. Donc voilà ces 3 applications, voilà comment elles tournent, voilà comment tout ça fonctionne. Donc on a vraiment quelque chose de simple qui marche partout pareil. Au final, une seule application pour tous les OS, un seul code, une seule UI, des niveaux de personnalisation qui sont tout à fait ouverts comme vous avez pu le voir, même rapidement, et il en existe d'autres bien sûr, hein. Je suis parti sur l'exemple de cette cellule qu'on peut personnaliser, etc. Et on a 3 applications qui fonctionnent quand même exactement de la même façon. Alors, qu'ajouter de plus que ce que j'ai déjà dit, Xamarin.Form, c'est du C# et du XAML que vous connaissez ou que vous pouvez connaître et si vous êtes dans le monde Microsoft. Plus 2 ou 3 petits trucs à savoir, bien entendu, sinon j'aurais plus de boulot, donc il faut bien qu'il reste des petites choses à apprendre, que je puisse vous apprendre ou le développer pour vous si vous en avez besoin. Dans une vraie conférence, il y a une session de questions-réponses. Ici, bien évidemment, sur cette vidéo que je vais probablement rajouter sur ma chaîne YouTube, il n'y aura pas cette même interactivité, mais en revanche, vous pouvez laisser vos questions dans la partie qui est en dessous, dans les commentaires de la vidéo, et bien sûr, j'y répondrai.
Donc je vous remercie de votre attention, bien sûr. Rappelez-vous, simple et puissant, hein, ce sont les Xamarin Form. Il y a peu à apprendre comparativement aux environnements natifs. C'est une évidence majeure, comme vous avez pu le constater. On utilise vos mêmes méthodes, vos mêmes connaissances, pour l'essentiel en tout cas. Il reste des petites choses à savoir, donc pour ça, vous pouvez consulter d'autres blogs, bien sûr, hein, c'est entièrement gratuit. Hein, c'est le... Là, vous trouverez beaucoup d'articles et beaucoup même de livres gratuits à télécharger. Il y a le livre sur l'Xamarin Form, le premier et le seul en français sur la question, que vous pouvez vous procurer à l'adresse qui est indiquée. Vous pouvez aussi flasher cet énorme QR code qu'on ne peut pas louper, dans lequel vous pouvez récupérer l'ensemble de mes coordonnées pour me contacter si vous avez besoin de formation, d'audit, de conseils, etc. et bien sûr de développement.